Voilà, merci cher ami branché connecté, cher ami téléspectateur, fidèle ami internaute, branché connecté dans www.congodialogue.com. Et moi, c'est Josué Bolo à l'international en direct de l'Afrique du Sud, Johannesburg. Ok, en fait, aujourd'hui encore, nous avons été contactés par nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Comme d'habitude, qu'est-ce que nous pensons par rapport à l'évolution politique? Vraiment, nous traversons des Judgment Day, comme on dit en anglais, le jugement dernier. Donc, comme nous autres traversons, moment qui est un peu critique. Moi, c'est Josué Boloa. Je dis grand merci à la grande prêtre mère Francine Nguéme de la Belgique. On a eu vraiment Bissika Banini, Banamboka Babibou. Neliba, hein, au Babundaka, centre na bango, coin na bango, néo capé macanis na bango, bika micro boloeza espace dialogue. Là, la réflexion et la connaissance se rencontrent. Je vais inviter un de compatriotes ici résident en Afrique du Sud, néo capé macanis na ye. Bienvenue, papa. Merci, mon cher. Ça va? Oui, ça va bien. Présentation à bas téléspectateurs basolanda. Moi, je suis c'est papa Cléopas, Yamwimbi, comme vous, tout le monde me connaît. Papa Cléopas, oui. Tu te présentes comme qui? Comme étant cadre, comme étant professeur, comme étant... Hein? Bon, je ne sais pas quel cadre je peux prendre parce qu'on a joué quand même beaucoup de rôles dans ce pays. Alors, je peux me présenter maintenant ici comme un combattant. Donc, combattant Sidi en Afrique du Sud et surtout aux la place Tungulu Awa. Donc, les gens cadre qui combattant. Attends que combattant, apparemment, il y a combat. Non, combat Isali, mon cher. Combat Isali. Donc, et ça là qui est un peu l'étargie mon kotaki, mais maintenant que tout ça comment on a qu'une opportunité en Fungwami, mais il faut combattre Zonga. Donc non, maman il fait Zonga. Combattre fait Zonga. Là là qui peut trop. Là là qui moi mingi, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais si quoi tout moni qu'une opportunité en Goyo, il faut moi n'embogagno sur place à Zali, à Téléma, il faut combattre, il faut qu'à Zonga. Combattre Zonga apparemment peut bien filtrer, bah quoi tu trouves un combat moi, papa qui le passe. Infiltré. Mon cher, ben filtré, même ceux qui ont un cadre de la Bible, aujourd'hui, tant que vous êtes en Égypte, pour pas la terre promise, mais il y avait des Égyptiens qui ont fait part de cette marche-là, et puis bah, créé mon boulot est belé dans la marche à Israël, et puis il y a eu beaucoup de gens qui ont péri à cause de ben filtré. Donc, ça, et le Komoko Yassikate, bon, il faut caca, tout est bakeno, bien filtré, bazali. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Stratégie, nous devons tenir en place de façon que même si présente Nabango, même le Seigneur Jésus-Christ avait dit lui-même que quand le semeur est sorti pour semer, il est parti semer la nuit et les jours. Mais le mauvais semeur qui est venu, il y a Kotina Boutou, à Tchepe Oyaye. Mais Seigneur, Batouni a l'obini, il a dit non, Botika, Yango, Kaka, Bangomi, Balé, Bakouatre. Le moment viendra, où Toko Ben Dande Bango, Toche Bango na pembeni. Toko tamise Bango. Donc c'est pourquoi nous disons, donc Toke Nerebisoka Kandengwana, même le problème de Moïse Katumbi. Oui. Les gens disent, mais Moïse c'est un mauvais type, il a volé, il a fait tout ça. Mais mon cher, Botika ye. Tokende kaka tike kaka vraiment lelo makamba sami badi bang a komi lelo invalide a komi ote double nationalité notre si c'est notre honorable ici Zakari Bababas a komi pe invalide ngana otuno nande ko kule pas avant tokota na mozino pourquoi to mbio awa tous ces temps là badi bang a sali soki 3 mois na ministère du premier ministre azala invalidité comme n'attend à poser candidature comme invalide donc tokota ba onyo sona ba Moïse Katumbi na nyoso donc batika ba kota ligamadu ben c'est de bo ki pango suite. Bon, l'Ikambo, il y a double nationalité et ça vraiment un problème très clé dans la société, na biso, surtout qu'on a na Congo. Problème il y a double nationalité, ezali oyo, eza moko. Négativité nango fait, côté négatif nango. Ça veut dire que la plupart abande qu'on a biso baza déjà na double nationalité au baza na pouvoir, surtout baza occuper ba poste clé à pouvoir. Oza komona ke bazali ko s'intéresser beaucoup mingi na mboka te. Donc vous allez vous rendre compte que batuana bafongola ba compte na ba mboka ya ba nationalité na bango, ce qui fait que le Congo c'est simplement un chantier. Donc bazako piller ba richesse wana et ils sont en train d'investir chez eux. Donc que ça ne marche pas au Congo, c'est pas leur problème. Aussi longtemps que les familles sont en Europe, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, partout là, les familles sont là-bas, les comptes sont là-bas. Donc on pille le Congo et on envoie là-bas. Nous apprenons que
par an, il y a au moins 100 milliards de dollars qui échappent à la caisse à l'État. Et tout cet argent-là va où? Ça vient ici en Afrique du Sud et ça part ailleurs. Donc, double nationalité, wana. Et ça a créé le problème. Si c'était que tout le monde était congolais, et que tout le monde. Alors, en ce moment-là, tout le monde allait chercher à investir dans le Congo. Donc, problème, il y a Badi Banga, problème, il y a Baba Sué qui est aussi invalidé. Donc, nous trouvons que c'était une question que Batou, Bazala qui n'a pas parlement, il fallait aborder la question il y a longtemps, avant que l'élection ait lieu. Pourquoi seulement ces temps ici? Bon, c'est parce que ces temps ici, nous voulons faire ce qui est correct. Donc nous ne devons pas toujours aller dans d'irrégularité en irrégularité. Après avoir causé l'arbre, foutu bambong et belé, batongi peut déjà libanda. Allez, pour ma présence, ça n'est pas vraiment chaba onka que non, c'est invalide parce qu'on a une nationalité belge, on a une nationalité française, on a une nationalité tout ça. Bon, bas critère, y a bas poste ou anezalaki, mais je pense que c'était surtout dit au niveau y a présidentiel. Bah au bazar, au niveau y a députation, je ne sais pas si la loi, je vais dire la constitution congolaise stipule que bah au bazar au niveau y a députation, bazar la double nationalité. Mais c'est que moi je sais que ezalaki question qui était beaucoup plus na batu oh et bazoluka, bas fanda na siège y a likolo yamboka, non siège y a libosi yamboka. Donc c'est ce que la loi dit. C'est ce que notre constitution stipule. Bah, au niveau de députation, je ne pense pas que la double nationalité, c'est un critère qui doit les frapper. Mais papa, que le passement est que la population mise au Maka, c'est pour nous que c'est que nous avons apparemment battu nos position Mukewana. C'est que nous avons tantôt. Au moins, nous avons des Congolais mis. Fongoli Congolais Misso, c'est ce que je disais bien avant. Il fallait que loi Oyo ait la débattu dans le Parlement. Par les deux chambres pour nous trouver conclusion parce que la plupart des Congolais talaka kandenge ba Congolais biso ba Congolais tout ça qu'on se retrouvait les banda boy comme je te parle là xénophobie en Afrique du Sud nous en cadre il y a 10 ici nous venons d'assister nos compatriotes qui étaient victimes na Northwest na xénophobie en Afrique du Sud donc batake bango batake ba famille mibimba ba détruire ba business na bango il y en a même qui ont été brûlés alors batu ba panzani na banzamba donc il fallait tout ça la cotisation moko boye tout s'organiser en commission pour to kende to assister bango c'est ce que nous avons fait parce que va pesa ikutu itumaton ba lobby si vous ne faites pas vous ne réagissez pas ba kolanda bango na banzamba wana Babo Mabango. Donc, c'est pour dire que, mon cher ami, dès que tu as Libanda, boy, ce n'est pas de notre volonté que tu as Libanda. Alors, ce qui fait que beaucoup de Congolais sont sortis, et quand beaucoup de Congolais retournent chez eux, il y aura toujours ce problème de nationalité, de double nationalité qui va se poser. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait débattre les questions, hein, de façon que Moutounio soit Ayeba, quelle est la position? Est-ce que le Congo accepte la double nationalité comme c'est le cas hier, comme ici en Afrique du Sud? Bamindelo Nyo Sozo, on a besoin de 2, 3, 4 nationalités. Donc ça ne pose pas un problème pour que quelqu'un puisse accéder à un poste clé et à pouvoir. Donc comme ça n'a pas été débattu et que la constitution continue à être l'ancienne, alors il faut que Tolandandenge ezakosenga. Papa que le passe, en tant que combattant, message nous repasse à nos téléspectateurs, nos compatriotes, nos diaspora, nos Libanais, nous avons des gens qui ont été kendele pena. Bon, pour ça, nous opposants nous sommes à la 1. Et puis ceux qui basa un, selon eux, nan ogomo na bogocha liboswa na pena bon, toponi un tel, soit Sami Badibanga, soit Jean-Pierre Bemba, soit Moïse Katumbi, soit un tel, bato tuba na liste ou na bareteni, soit Félix Tshisekedi, yenda le babon, l'unique candidat na côté opposition. Bon, en tout cas, question posée, et sa question moko beaucoup plus clé et beaucoup plus capitale. Comme on dit en anglais, that is a very vital question. Ce que je voudrais dire, c'est que tous ont besoin réellement, il y a unité, il y a opposition. Tomoniango, par exemple, dans le cadre de l'IDPS. IDPS va s'engager qui va s'aller au Congrès et puis va venir ici Félix Tshisekedi par voie normale, par voie légale, va voter comme président, il y a parti officiellement. Alors, au biso tomoni na côté à pouvoir, ezali mutumoko ya poni mutunaye alobino, il a imposé une candidature na bato parti na bango, na parti na bangwana, alors qui est Chadari. Alors, nous trouvons pas que c'est vraiment démocratique. Alors, unité na minuto ezali eloko moko oyo tozoko senga na ba opposition na biso nyoso. Nous voulons vraiment cette fois-ci
toi qui étais comme ça a été en 2011, que voilà, tu as eu sa candidature commune, ou candidature pas unique mais commune, mais tu as eu sa mais il y a eu un tel individu. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est lequel? En ce moment ici, je ne peux pas répondre, mon cher Bolowa, je ne peux pas répondre directement à ta question pour dire il faut Moutoutel. Parce que, biloko wana soki par exemple, baza 10. So baza 10, ba opposant, ba le 8 ba sa la vote, na 10 wana. Et que ba poni candidature moko yo, que oyo, par exemple, ba poni ba le 8 no tolingi Mbemba. Mbemba est déjà invalidé, on peut l'exclure pour le moment. Ba le 8 ono toponi Martin Fayoulou. Alors, ce qui fait que, ce qui va poni Martin Fayoulou et causer la Martin Fayoulou, hein? Maintenant, le genre, par exemple, il y a grand parti. Grand parti des opposés problèmes. Ouais. Ah ouais. Grand parti de grand parti de IDPS. Pourquoi IDPS a grand parti? Pourquoi IDPS a grand parti? Neti ANCA en Afrique du Sud. IDPS a au moins une souche, une représentation à travers tout le pays. Donc IDPS azali na ba membre beaucoup plus yamingi na katia mboka ezana katanga ezala na kishasa ku tolobate ezala na esamboka le de kasai ezala même en équateur. Donc ça veut dire que IDPS c'est un parti national. Alors grand parti siko ce qui tolobi to bimisa Martin Fayoulou neti candidat na biso commune commun. Vous allez vous rendre compte que vous savez ce qui fait là où les bas blessent, mon cher Bolowa, c'est que nous ne voulons pas que ce qui s'est passé dans Zimbabwe et se répéter par Nabisso. Nous sommes rendus compte dans Zimbabwe que MDC battu à opposition. Donc, parce que moto makasi, parce que na rally na bango, ça veut dire na campagne na bango, c'était plein du monde. Mais à la surprise du peuple zimbabwéen, une surprise pour laquelle je suis en train de compatir avec eux. Donc, ce Mnangagwa qui est sorti. Pourquoi Mnangagwa est sorti? Mnangagwa avait peur parce qu'il venait de faire un coup d'État. Hein? On peut monter et descendre. Il a fait un coup d'État à Mugabe et il s'est rendu compte que ce qui abîmine qui président c'était, on va couper la tête. Bakolandelae et Kozala Mubulu. En fait, si je comprends votre analyse, mais pour nous au Congo, nous n'avons pas quelqu'un que nous allons couper la tête. Donc, alternative au Ndeto Bandoluka. Depuis l'indépendance en Bokana Biso Ti Minitoyo, nous n'avons jamais eu un président en vie. Mais cette fois-ci, M. Kabila a dit bonnement qu'il ne va pas se représenter. Et nous avons dit, bonnement, nous avons dit, en tout cas, coup de chapeau, M. Kabila, comme tu as accepté de pouvoir respecter la constitution à Congo et que tu ne vas pas te représenter, tu seras notre premier président qui sera vivant et qui va faire quand même la passation du pouvoir à un autre président. Aux Hollanda. Alors, et l'okwana to sepela kinango. C'est ainsi que nous disons, si nous disons. À l'occurrence de Félix Tshisekedi. Mais la minute, il y a un problème à validité, à diplôme, tout ça. Il y a un apparemment, il y a une classe à diplôme. Il y a un peu ce problème. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous avez un non, il y a un problème, Isaliawa, mon cher Bolowa. Le problème, il y a cause à l'instruit. T'as là, par exemple, Natour, il y a M. Kabila. Il a pris des têtes pensantes hein, autour de lui. Un homme comme Kengo. Vous acceptez qu'à ta zanène un diplôme T, à zanène bataminéni, professeur, les gens qui raisonnent comme vous, Laura Badok Tali en Afrique du Sud, Kuna, tout ça. Oui, laissez-moi avancer, parce que, et là, quand on a battu baza, kocha moi, confusion, moi, mingi. Kengo est autour de Kabila. C'est une tête grise, hein. Tozui Tchakou National. Les gens peuvent penser que Tchakou National, c'est une personne qui déraisonne. Tchakou, c'est une tête, hein. Si vous prenez le parcours de Mende, depuis qu'il est parti de l'IDPS, Mende ici était délégué par l'IDPS même pour aller dans certains cas, il a même contredit Mobutu, je crois, au Maroc quelque part. Donc Mende, c'est une personne qui pense. Donc vous pensez Tambou que si Félix passait, il aura des têtes. On répond à la question de Félix. Ce que moi je sais est que le papa de Félix, qui était Tshen Tshisekedi, était un intellectuel. Donc, comme il était parmi le premier universitaire à Congo, à Kobimana Louvain, donc il a fait les choses na théorie, il y a loi. Donc le vieux, c'est un peu sa faiblesse, Naï. Le vieux voyait la loi, ce que disait la loi, 1, 2, 3, 4. Et il voulait rester dans cette façon de voir-là. Et c'est ce qui a fait que dans la plupart des cas, vieux a zoa pouvoir te. Mais nous avons cette fois-ci un fils qui a pris Naberer, au moins na vie, hein.
tu apprends des erreurs des autres. Pona wana landi papa na ina lokolo inde non non ici via beta ki poto awa nga na ko beta boy awa donc c'est un petit Clopas, sage. On donc, signale que le temps n'est pas est contre nous. Je sais pas ce que Opé ça mutu moni en fin na ba télespire peut-être on aura encore l'occasion en causant na yo poto soleil. Le mot de la fin c'est pour dire que non, la sagesse joue beaucoup aussi en dehors de l'intelligence et que nous sommes en train de supporter marche oyo ba compartir to ba lobito sala pona ko kenna une building pona ko déposer mes mon abiso ko protester contre machine à voter ko protester contre refi ya ke Katumbia Zonga botika Katumbia Zonga beta bal na iso beta poto abeti poto mutunyo so moni ango ko protester que ba politicien nyo so bazana prison qui sont en train de croupir innocentement babima ezali cadre ya de crispation et puis Tozako sepela ke ndenge to sala ki ngona lutuli ya sida des semaines passées comme tu venais de le dire bisonyoso mwana mboka combattant donc na bakouche nyoso oza médecin oza ingénieur tala xénophobie yango e bandi donc vous est-ce qu'on va continuer à rester dans ce pays donc toza l'ensemble tokende na une building le 13 comme ça topé sa mémoire na biso pour protester contre surtout la machine à voter. Protester contre la machine à voter. Merci beaucoup, honorable Cléopas, pour votre raisonnement. J'ai aimé vraiment. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. La conversation continue. L'espace dialogue, c'est votre plateforme. Vous allez amener vos idées, vos projets, n'est-ce pas, vos idéologies. Nous allons exposer cela au public qui nous suit au travers le monde, n'est-ce pas? Donc, marche, Zali, pour encore rappeler à nos téléspectateurs, font comme nous sommes opposants, Sangani, Babi marche le 13 septembre, en Afrique du Sud, tout droit dans la Pretoria, Biskemna, Cyril m'a posé avant dans le bureau, n'a pas tiré dans la mesa, deal dans ma cambo, pour que les Congolais balembi. Congo dialogue, Tokutani, merci.